Bonjour à tous et à toutes, je suis Relus et vidéo différente d'habitude que je vais peut-être refaire dans le futur si jamais l'envie m'en prend. Cette vidéo sera sur les magazines que je trouve des fois en déstockage. Vous le savez peut-être, lorsque je fais des rétros, je trouve des magazines, des vieux magazines qui ont plus de 10 ans, voire même 15 ans. Que ce soit sur des jeux, que ce soit sur de l'informatique à l'époque, c'est-à-dire le MP3 par exemple, magazine du MP3. Et je me dis quand même, ce serait dommage de gâcher une telle source de découverte, parce que à l'époque c'était génial, mais maintenant je pense qu'on peut en rigoler un petit peu. Alors du coup, je me suis dit, on va commencer soft avec le jeu vidéo PC Jeux Vidéo Magazine numéro 18 avec avec la démo de FIFA 4 2004. Ce qui fait que ce magazine a 15 ans, ce qui fait que je me sens un peu vieux, et on va un petit peu regarder déjà le magazine, voir les actus de l'époque, et le CD, les 66 jeux, on va tous les faire, et aussi, sans doute à un moment dans la vidéo, on fera ce petit truc rose. Vous savez tous ce que ça veut dire, vous savez si vous êtes vieux. Et que dans les années du début des années 2000, vous savez ce que ça veut dire et pourquoi on achetait ça en plus. Pourquoi on dépensait environ 4 à 5 balles juste pour ceci. Je pense que ça peut être intéressant et peut-être à ceux qui ont connu cette époque, leur faire revivre quelques souvenirs et pour les plus jeunes, et bien découvrir que le CD, franchement, ça pouvait être considéré comme une bonne grosse monnaie pour échanger, pour cacher des trucs. Je suis pas sûr de cette phrase, mais vous allez comprendre pourquoi. Du coup, déjà, regardons un petit peu ce qu'il y a dans ce magazine. Alors, ce magazine, là, je suis actuellement par terre, ce qui n'est pas pratique. Analysons un petit peu, déjà, comment est-ce qu'il est fait. Alors, on nous présente comme ceci. Déjà, on a le CD qui est juste au milieu. Donc, déjà, ça, c'est un argument de vente. On a la couleur flash de ceci, dont on reviendra. On a dessus le titre, une couleur rouge tapante. La sélection ici a un must incroyable, la guerre des étoiles en 3D. Hello Sailor, simulation stratégie. Le prix qui est assez faible en fait à l'époque, à peine 4 balles. Je pense que pour 4 balles, on ne doit pas s'attendre à quelque chose d'incroyable. Et derrière, alors là derrière, voilà. Je pense que vous savez tous. Regarder, donc du coup je vais sûrement flouter, sinon je vais avoir des problèmes si j'y pense. Alors qu'est-ce qu'on a un petit peu découvert? Notre interface CD-ROM ludique est facile, donc ça on va pouvoir se marrer un peu. Des jeux dont on va tous parler, des trucs incroyables, hallucinants, de la simulation, et bien sûr, seuls les meilleurs jeux sont sélectionnés. Je suis prêt à parier que c'est vrai. Oh mon dieu, mais que fait-il? Il enlève un plastique. Ce magazine va perdre toute sa valeur. Rien à foutre. Alors, le CD, on regardera plus tard. Le magazine. Oula. Oula. D'accord? Oui. Oui. Alors, comment dire? Il y a un carton. Il y a un carton dans mon. Quelle bande d'enflure à l'époque. Il y a un carton dans le magazine. Oh putain, le magazine n'est pas épais. Attendez, est-ce que. Prêt. Ouais, vous le voyez pas, mais il n'est pas épais du tout. Dans les dernières pages, juste pour voir. Oh, alors là, de la pub en tout, il y a à peine 15 pages. D'accord, donc en fait c'est juste 15 pages sur les jeux sélectionnés par. Ok, donc déjà ça commence mal. Donc pour 4 euros, on a déjà un carton de merde. Hein, super génial tout ça. Ensuite, si le caméra, merci. Ensuite, bon, on ouvre, qu'est-ce qu'on a là? Fallout Tactics 3 CD pour 15 balles. Ouais, je pense qu'encore aujourd'hui, pour à peine 15 balles, tu trouves des bons jeux. J'en suis une preuve vivante. Survie, Apocalypse, mode solo, 18 joueurs en réseau incroyable chez le marchand de journaux. Oula, alors là aussi on va se marrer. Le PC va droit au but. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous le faire lire. Un sommaire, il y a une notice dans le manuel, parce qu'on sait jamais,
La différence entre freeware et shareware. Avertissement sur l'épilepsie en tout petit. Et alors là, les renseignements concernant auteur licence. Alors là, c'est illisible. Là, c'est du 2 ou du 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? La simulation, on a tous les jeux. On a bien tous les jeux nuls. Je sais, alors. Ouh là là. C'est quoi? 15 sur 20, c'est les notes ça? Ah ouais, mais putain, les mecs, ils ont fumé. Oh, attention, le 20 sur 20, le 20 sur 20, incroyable. Halo, Houston, Orbitier, des jeux de simulation incroyables. Un coup de cœur pour le grand large, Virtua. Oh là là. Ah, j'ai envie de jouer à ça. J'ai envie de jouer à ces jeux. Oh, les jeux de stratégie. Oh, alors là. Oh mon dieu, le 20 sur 20 dans les jeux de stratégie, c'est beau. Le coup de cœur, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, c'est Mankind, finalement. Il est arrivé ce jeu. Il n'empêche quand même que pour la capture d'écran choisie, donne un peu envie. Ça me donne un peu envie, je dois vous l'avouer. Bon, je vais pas montrer tous les jeux. Oh la FIFA 2004, le meilleur jeu de foot sur PC. Je m'attends à faire des croche-pieds partout, des tacles, marquer des buts avec notre fameuse Zinedine. Alors, information. Alors, disons les informations. Sport, sorti en magasin, EA. Configuration 256 Mo de RAM, c'est énorme. Windows 98 Millennium XP, 55 balles. Encore aujourd'hui, c'est pas loin de nos prix actuels lorsque les nouveautés sortent. Des articles incroyables. Toujours dans ce CD, des jeux d'action, des jeux d'arcade. Des classiques, évidemment, des jeux d'aventure. Alors, jeux d'aventure, ça m'intéresse. Voilà, il y a des noms incroyables. Alors, des jeux de stratégie, des jeux de réflexion, des jeux de sport, des jeux délire, avec un petit clown. Oh, le clown, il fait peur, par contre. Oh, le clown, j'ai peur. Et c'est déjà la fin, voilà. Alors, des jeux rôle. C'est juste rôle, hein. C'est pas JDR ou RPG, c'est rôle. Tu te démerdes avec ça, et du jeu de cartes. Et bien sûr, un incontournable. Incontournable, incroyable. Tous les tips and tricks dans un seul magazine. Le magazine Mega Tips, numéro collector. 100 000 tips, tous les codes 2003 des jeux incroyables. Notamment sans doute pour avoir Lara Croft à poil dans Tomb Raider 1. Avec. Alors là, on a tout. On a Tomb Raider, on a Rayman, on a Castlevania. Ça, c'est Dante, si je ne me trompe pas. Celui-là, je ne le connais pas, celui-là non plus. Voilà, 900 jeux testés, essayés, approuvés. La plus grande collection de tips console. Et derrière, je vous l'ai déjà montré. Bon, alors on a 15 pages aussi d'images de jeux. On a 2 pages au centre d'un test sans doute nul. De FIFA 2004. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est est-ce que ceci va nous vendre du rêve? Est-ce que ceci va être incroyable? Ah, j'espère que c'est incroyable. J'ai envie d'y croire. Franchement, j'ai envie d'y croire. Est-ce que vous avez envie d'y croire, vous aussi? Moi, oui. Donc, je suis sur un autre ordinateur, hein, en Windows 7, parce que Windows 10 ne me permet pas de jouer au jeu proposé par ce CD magnifique. Donc j'aimerais un peu me répéter sur le début. Là déjà, on peut voir que 685 MO, c'est peu. C'est très très peu. Ah, évidemment, l'avertissement, on ne l'oublie pas, l'avertissement, hein, utilisation, freeware, shareware. Néanmoins, je suppose que certains d'entre eux ne fonctionnent pas sur votre machine. C'est vrai, Windows 10, ça ne marche pas. Remboursez-moi. Remboursez. Alors là, après, je pense que là, vous n'êtes pas prêt à ce qui va arriver. Pour des raisons que j'ignore, la séquence que vous allez voir ne s'est pas enregistrée directement. Donc, du coup, je suis obligé de l'enregistrer comme ça pour que vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Thank you.
Il y a une pub! Il y a une putain de pub! Dans le CD! Ah, les techniques! Ah là là! Ah, ouais, franchement. Est-ce que vous voulez Internet plus facile? Est-ce que vous voulez Internet SOS Connexion, découvrir tous les avantages? Oh là, alors à cette époque, je rappelle que en 2004, les connexions sans fil, ça n'existait pas encore. La Wi-Fi, c'était très rare, même inexistant. On était sur le modèle 56K. Je pense que si vous demandez à vos parents qu'est-ce que c'est un modèle 56K, il va vous répondre l'enfer. Et même à vos grands frères et grands sœurs, donc non, je ne veux pas. Pas que j'ai pas envie. Et regardez ça, regardez ça. Est-ce que ça vous inspire pas confiance sans lec? Regardez ça. Est-ce que là vous avez pas envie de vous dites pas putain, je vais passer un super bon moment. Regardez-moi ça. Alors, est-ce qu'on va commencer par FIFA? Je pense qu'on va commencer par FIFA. Hein. C'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Moi, j'ai envie d'y croire jusqu'au bout. Alors, j'ai cliqué dessus. Hein. On peut voir. C'est en surbrillant. Pardon? Excusez-moi, je fais. Ah! D'accord, ok. Oui, est-ce que tu me demandais... Il m'a demandé d'extraire un fichier. Ok, j'extrais le fichier. Je parle bien sûr de où cela va me mener. Mais d'accord. Et là, il me demande de... D'installer... Les... Quoi? Mais quoi? Attendez, qu'on se mette d'accord. Oula, oula. Oula, le PC devient fou, le PC devient fou. Ah, d'accord. Bon. Très bien. Vous l'avez vu comme moi. Le PC a... Le jeu a planté. Bon. Ça devait pas être si important. Allons voir les autres jeux. Ça devait pas être si important que ça. Oh là là. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah putain, c'est moche. Oh là là. Alors attendez. Attendez quand même qu'on se dise bien, qu'on soit d'accord. Ok. Ok. Alors pas aller trop vite, sinon le jeu ne charge pas. Ah d'accord. Mais non. Mais putain, qu'est-ce que je... Mais non, mais... Oh putain, c'est l'image. Oh, il m'a fait peur. Bon alors, un jeu d'action par exemple, Alien, voilà. Ouais non, j'ai dit que je ferais tout, donc c'est parti. Comment ça installer? Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. J'ai très très peur. J'ai très très peur de ce qui va arriver. Oui. D'accord. Waouh. Alors par contre, option. On va juste changer un truc. Parce que là en fait, ouais, j'ai pas le... Non mais, les mecs, je... Ok, donc on va voilà, on va laisser là-dessus, on va laisser en carré parce que le jeu il a décidé de bourrer. Alors, Airstrike 3D. Get full version. Ok, peut-être pas. Ok. D'accord. Alors les mecs, je suis pas modeur, hein. Je suis pas développeur, je suis pas marketing tout ça, mais. Le but du jeu, en fait, c'est de laisser les missions 1, 2, 3, pas ce que tu veux. Non, ça marche pas comme ça. Oh, j'ai peur. Par contre, j'espère que... Oui, d'accord, bonjour, mission 1, tutoriel, ok. Je joue avec les flèches. Ok, j'avance. Alors, une de... Ok, the screen... Wow.
Ouais. Ok. Donc je tire avec. D'accord. Ok. Donc. Shift. Ok. Ok. Oh. Oh mon dieu, on m'attaque. Alors, ce que je vais dire est peut-être con, mais ça va. C'est pas dégueu quand même. Hein, je vais pas cracher sur le jeu, mais ça. C'est pas dégueu. Oh, ça joue bien, c'est marrant. Non, on va quand même essayer de finir une mission, on va pas tout montrer. Ah, j'ai une version limitée de la démo. Mais c'est encore plus l'arnaque. C'est chaud. C'est chaud ce qui se passe. Alors, non, franchement, le jeu est plutôt cool. Franchement, le jeu est plutôt cool, hein. C'est pas la claque, mais... tu lis ça un petit peu et puis c'est bon, hein, ça te fait un jeu... ça te fait un jeu actuel. Alors, tips, tech bonus, new icône. Ah, je peux utiliser quelque chose. J'ai lâché une bombe atomique. J'ai complètement lâché une bombe atomique. Collect two or more weapons, you can switch between. Oh là là. Ok, Z. J'ai fait Z. Ah, j'ai fait des piou piou piou. Je fais piou 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 maintenant. Piou 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 piou. Oh, c'est chiant. Par contre, le bruit change. Je le dis, mais piou piou piou, c'est chiant. C'est amusant dans 5 minutes. Ok, et j'ai gagné. D'accord. Waouh. Eh ben, on n'en verra pas plus, écoutez, parce que... Ouais. Ah bah évidemment, hein, on te le dit, vas-y, achète-le, seulement 20$. Donc, premier jeu. Donc ensuite, alors on va tous les tester, hein. Moi, je vous le dis, on est parti pour des heures de fun. Enfin, je suis parti pour des heures de fun. Mais sur... Oula. Ok. Inversion des mots, incroyable. Ok. Ouh. Ouh. Oh. Oh. Ah. Ah oui, alors, ouais, alors, ouais, alors. Oh putain, c'est moche. Moi, je m'attends de la musique de qualité, là, par contre. Graphique haut en couleur du 5.1. Alors, qu'est-ce qu'on a, bah évidemment. Allez, mode campagne. À moins qu'il faut que j'achète le jeu. D'accord. Donc, j'ai 220. Ça, ça coûte. Ça, ça. Ok. Bah. D'accord. Ouais, et je. Ouais, d'accord. Ah non, c'est ce que j'ai. Oula. Ok. Alors. Oh putain. Ok. Attends, c'est. Ah d'accord, je tire deux fois. Ok. Donc, j'ai des munitions. J'ai des trucs et des machins. Ouah là là. Je m'attends à tout. Je m'attends à une connerie qui va arriver dans les prochaines secondes. Ok. Ah, meurs, meurs. Oh putain, la musique. Ah, c'est du soin, au secours. Ok. Ah, mais ça... Lol, en fait, j'ai munitions infinies. MDR. Ouais, donc qu'est-ce que... J'ai gagné une vie. C'est tellement réel. Ah, et le clic droit, c'est pour se déplacer automatiquement. C'est un peu débile, hein. On va pas se mentir que c'est con même. Boum.
Yeah. Boum. Waouh, il y a des passages secrets, c'est comme Doom. Lol. Et franchement, ce jeu, il me donne envie. Moi, je pensais que ça allait mal partir, mais non, mais ce jeu est cool en fait. Ouais, bon, on va pas aller plus loin, hein. Ça va, le jeu est cool. Non, je veux pas back. Et ça me donne vachement envie quand même. Et là, pour le moment, le jeu, il est en train de me donner tort. Si jamais tous les jeux me plaisent, je vais les acheter. MDR. Franchement, le jeu est en train de me donner tort. Et quelque part, je suis content. Parce qu'il n'y avait pas que de la merde. Mais bon, on est à 2 jeux sur 68. Alors, Warblade. Oh mon dieu, ça sonne épique. Oh, ça sonne épique. Oh là là. Alors là, ça me donne envie. Ah, moi, je veux jouer le mode histoire. Ah non, d'accord. C'est... Oula. Ok, je... Oh putain. Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Donc, non, c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Je vais faire un compteur entre les jeux qui sont cool et qui te pourraient te donner envie d'acheter le jeu complet et les jeux moins bien qui te disent non. Non, c'est. Mais c'est pas ouf. Oh, alors là. Ok, bon, bah évidemment. Mission 1. Ok. Et. Oh, oh. Oh, c'est lent. Oh, c'est nul. Oh, c'est nul. C'est quoi cette musique? C'est quoi cette. Mais. Oh putain, mais c'est nul! Oh là là! Attendez, mais. Oh, c'est. Ah, c'est pas bien! Non, mais non, finalement, non. C'est. Ah, c'est pas ouf! Ah, c'est même mauvais! Ah, c'est très très mauvais! Oh, alors pas du tout! Ah, tu peux même. Oublier! On était dans l'action, ça! C'était pas un jeu d'action. Dans l'arcade maintenant. Beetlejuice. Oh, je m'attends à tout. Oh, je m'attends à du fun. Waouh. Ça me donne tellement envie. Un vendredi soir où Joe était à sa maison, regardait son show de télé favori, soudainement des horribles ombres apparaissent. From Noël et Strange sont été là-bas. Oh mon dieu, mais que se passe-t-il? Des monstres avaient envahi. Oh, le monde de Jew. Et personne ne savait ce qu'ils étaient, d'où ils venaient, les problèmes, tout ça. Incroyable du cul, je contrôle Jew avec les flèches. Je peux leur tirer dessus et utiliser différents objets en pressant la barre espace. Oh mon dieu. Classic pack, ok. Non, Stark. Alors, je suis là. Je vais là. Beware the falling object avec an air to Jew. Ah mon dieu, et les objets. C'est moi où ils volent. Qu'est-ce que. D'accord. Alors, je peux utiliser des objets. Ok, est-ce que je viens de perdre de la vie? Oh, j'étais. Ok. Je sais pas ce que je fais. Tu peux recharger le jeu. Grenade! Ah, mais je me prends les dégâts. D'accord, oui, c'est bien. Ok. Ok. Waouh, je dois les détruire. Pour aller au prochain niveau. Et ça, ils explosent. Ah, c'est pas ouf comme jeu, non. Non. Allez, on oublie ce jeu. Non, c'est pas bien. Non, c'est même nul en fait. Ouais, j'ai mon score.
Ah non, vous voyez mon prénom. Ah là là. Oh là là, c'est dommage. Vous ne le verrez pas. Ouais, alors non, ça je connais, c'est une méthode frauduleuse, monsieur le juge. Ça se fait pas, monsieur le juge, hein, c'est dégueulasse. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Brave... Drone... 2. Il y a un truc que je vous montre pas, par contre, c'est que... là, pour le moment... D'accord. Et ben, tant pis, on vient sans doute de rater un jeu, mais si un jeu ne se lance pas, c'est un mauvais jeu. Et oui, les petits amis. Oui, non, ce que je dis, c'est que là, actuellement, je suis obligé de retourner sur le bureau pour lancer le jeu. Il me propose plus de l'exécuter après l'installation. C'est super génial. Oh, la 3D. Espace, le PNG. La rotation. L'ancêtre de Kerbal Space Program. Ça fait peur. Blowing. Et autant là, ça commence bien. Là, je suis quand même assez intéressé parce que je vois. Là, j'ai... Alors, je contrôle rien. Je ne contrôle rien pour le moment. Mais. Ça donne envie. D'accord. Oui. Alors, 20 balles. Non. Non, merci. Oh, je vais continuer sur cette démonstration. Allez, Galaxy. Ok. Eh ben, prenons. On va prendre un niveau pif. Genre, allez, celui-là. Oui, non, mais oui, j'ai compris. C'est bon. Ouf, tant. Oula, Ouais. Oh non, c'est. Oh non. Oh là. Attendez. Je suis sûr. Oh putain, c'est. Oh, je suis. Qu'est-ce que c'est? Oh non. J'ai perdu la balle. Qu'est-ce que c'est? Il y a un timer. Attendez. Oh, attendez, on est sur un Pong du futur là. On est sur un Pong du futur, je le sens. Moi je vous le dis, on est sur un Pong du futur là. On est vraiment dans le. D'accord. Ok. Waouh. Là je suis absolument convaincu par ce jeu. C'est le Pong du futur pour moi. Là, c'est. Je sais pas. Oh putain, j'ai des lasers. Piu. Je récupère des trucs, des machins. Je sais pas ce que c'est. Piu. Putain, je sais pas ce qui se passe. Oh là là, je sais pas ce qui se passe. Je vais être honnête, je sais pas ce qui se passe. Hein. Je comprends moyennement. Attends, mais regardez-moi ça, c'est pas. Non, mais. Je sais pas. Moi je vais mettre mon esprit hein. Voilà, la balle elle vit sa vie hein. Moi je fais la mienne, incroyable. Je comprends pas. Pio bordel. Et là je fais quoi? Et là je fais quoi? La balle. Qui d'accord. Ok, alors attendez. La balle. Boule. La balle. D'accord. La balle. Oh elle est belle. Oh elle est belle. Oh j'ai gagné. J'ai gagné beaucoup. Ah. Je sais pas si je. D'accord. Oui. Waouh, quel jeu incroyable. Le fun. J'ai eu un amusement incroyable pendant...
5 minutes. Franchement, je suis convaincu que ce jeu est incroyable. Non, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est un putain d'arcanoïde, mais... Ah non, non. Ah non, 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 c'est bon, qu'est-ce que... Non, panique. Non, mais je veux pas. Ah oh, putain, casse-toi le jeu. Ah, oh, il est... Oh, il est pas bien ce jeu. Ah, il était pas bien du tout. Waouh. Alors, voyons voir. Voyons voir. Waouh. 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 Deux voitures. Incroyable. Bon, écoute, hein. On va pas s'ennuyer, on va prendre la première course. Alors. Ok. Go. Go. Putain, la sensation de vitesse est présente. Oh mon dieu! La sensation de vitesse est incroyable! Oh mon dieu! Oh ma voiture a trop de vitesse! Ah là 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 là, mon cher Jean-Marie! Nous assistons à une incroyable course! Ah là là! Ah mon dieu, elle a un speed up, a-t-elle utilisé dans ce virage, oh mon dieu, tandis que l'autre voiture se fait doubler. Ah là là. Ah, attention, le bonus. Oh mon... Oh what the fuck. Attendez, j'ai eu un vrai jeu pendant 2 secondes. Ouais, on va continuer le massacre, hein, c'est nul. Ah oh, c'est mauvais de ouf. Qu'est-ce que c'est? Oh la sale petite. Il m'a ouvert un pop-up. Mais non, mais je veux pas, moi. Casse-toi. Attaquons donc les jeux d'aventure avec Harley's Adventures, Fluid Glass. Oula. Oui. Alors. Oui. Alors, c'est mal cadré, madame. New game. Oh. Oh. Là. Oh. Oh. Ok. Alors, je dis peut-être une connerie. Je dis même sûrement une... Non, je ne pense pas me tromper. En étant certain, sûr et certain que j'ai déjà entendu cette musique quelque part. Si j'arrive à la retrouver, je mettrai un texte en plein milieu pour bien être sûr. Mais je suis certain, sur ma vie, je vous l'assure, je suis certain d'avoir déjà entendu cette musique quelque part. Déjà, le jeu part mal si c'est. Si le jeu reprend des musiques, déjà on est mal parti. Là, c'est juste des images nulles. Oh putain, d'accord. Oh. Ok. Là, il y a une maison dans les bois. Oui, le PNG. Oh. Oui, le bon PNG. Ok. Non mais. Oh ça. Oh, alors. Ce que je veux dire est peut-être moche, mais ça va être chiant. Non mais ça me fait chier. Bon bah tant pis. Oh. Ok. Ok. Par contre, il y a des touk 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 qui commencent à me faire chier. Bouton gauche de la souris pour nouvelle partie. À gauche, joueur inconnu. On va s'appeler. Mais c'est extra sommel, tu restes. Ok. Donc. Excuse-moi, je vérifie juste ça. Ah, ok. Donc le. Oh, oh, ouf. Oh, oh.
Oh, ok, bon, le jeu vient de planter. Donc, mauvais jeu. Oh là là. Ah! Bah dans le cul. Voilà, t'en as que c'est fait. Ah oui, d'accord. Ton nom est le cerveau de Robert Lane. Ok. Oui, j'ai tout compris. Balek, le son est trop fort et c'est pas du tout approprié. Ok. Ah, d'accord. Alors, je peux faire demi-tour, je peux aller gauche, je peux parler. Ah, madame? Je crois qu'il y a un problème. Vous êtes beaucoup trop blanche. Ouais, là y a wouf wouf wouf. Grab Alice. Attraper Alice. Oui, bien sûr. Oh là. Voilà. Ok. You try to turn. Ok. Look. Oh! Ah, d'accord, c'est une. D'accord. Ah. Oh putain de. Vache! Tu m'as fait peur! Bon, bah. Bon, bah, c'était vraiment un jeu incroyable. Ah là là! Zabugoni, avec un nom pareil, je ne sais pas. Waouh. Voilà. Waouh. Alors là, vu le. Allez, on y va. I feel not well. The weather seems to change. Good morning, birdies. The morning is good, but I'm not sure the day is going to be good too. The snowstorm is coming. I've never seen a more beautiful summer. What the heck are you talking about? Don't you know? The aliens have come to our land. It's their entire fault. What are they doing? Just read some newspaper. Every day there's floods, wind, snow, and so on. It's their entire fault. Hey, Rooster, who allowed you to leave your working place? Aren't you afraid to get into the soup? I've left it just come to chat a bit while the witch is flying around. She's still trying to find that trunk, the one which the aliens lost. Yeah, our witch is great. I admire the way she flies. Okay, I have to go. She's groovy, but she won't hesitate to put me in the soup if something goes wrong. And what the hell are you doing here, wild thing out of the wild wood? Okay, let me be a wild thing, but I don't eat corpses. I'm a noble animal. My master feeds me with chicken legs. Her chicken-legged house is happened to be very fertile. And you are waiting here until somebody goes to the left and loses his horse or even life. If you don't let us all, nobody goes to the left now. Okay, let's fly find something to eat. Wow, who's this? This look is too fashionable for our place. A foreign tourist, I guess. You are welcome. Where are you from? Would you like to go for a stroll? An unique pedestrian route is at your disposal. Just 5 years and you are back. Or maybe you are on a business trip. Maybe looking for something? Thanks, I'm here on business, looking for my chest. Have you heard anything about it? You mean a gilded one? No, has never heard before. Okay, I feel I'll need some luck to find it. Well, let's see. Pardon, mon âme a été absorbée par. Oh putain, j'ai. Oh la vache! Hey, stupid, don't. On va quand même essayer d'aller au tableau suivant, voir ce que ce jeu. Oh là 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 là. What the hell? It was summer and now it's so cold. Where should I go? That should be the thing you were talking about.
No, in the snowstorm I was talking about. I hate it. The weather is awful here, and all these changes are worse than you could imagine. Ok, non, je peux pas. C'est de la... Non, mais c'était un jeu, écoutez, c'était une expérience. Voilà, on va résumer par c'était une expérience. 15$, 7... Oh, bah là, on est parti pour du jeu de cartes. Oh, alors là, on va en bouffer. C'est moi qui vous le dis. Bon, et ben, il y a un jeu qui se lance pas. Donc, un jeu en plus dans les mauvais. Et pour moi, un jeu que je ne ferai pas, parce que... Wow. Non, c'est bon. Ah, c'est comme ça. Non, c'est... Ça marche comment? Score, moins 99$. Comment ça, moins 99? Mais dis donc, c'est pas gentil. Ah d'accord. Ok, bon bah. Ok, c'est nul. Ouais. Ok, j'ai les cartes. Un 8, non. Un 5. Un 3. Je comprends rien. Bon bah c'était bien. C'était un jeu nul. Encore. Ce solde de suite 2003 m'a l'air en 16.2 m'a l'air absolument incroyable. Ouais. Alors. Ok. Ah, voilà qui est plus simple. Là le fun commence, voyez-vous. C'était le fun. Voilà. Gros fun. Oula, alors le tarot je maîtrise un peu plus. Le tarot je connais les règles, je sais à peu près comment ça marche. Alors oui, je veux faire une partie numéro, c'est tout. Ok. Je vais commencer avec un as ou alors non, votre combat, votre contrat passe petite garde. Ok, voici le chien. Ok, pam. Ok. On va commencer avec le 3. Ok, ah, gros score. Alors, moins 64 points, très bien. Et ben c'était un jeu. Voilà. Ah, les classiques, alors là. Là, j'y crois. Axie Snake. Oh. Mais. Une 3D. Une musique. Mais. Ce jeu a l'air bien. Oh, j'ai envie d'y croire. Oh, je veux y croire. Oh, je peux sélectionner mon Snake. Ici Snake. Ouais. Oh, je veux y croire. Oh, c'est une course. Putain. Oh putain, il se passe quoi? Oh mon dieu. Oh putain, j'ai envie d'y croire. Est-ce que je peux me mordre la queue? Ouais, je peux me mordre. Ah mais c'est un snack en 3D qui a l'air trop bien. Je
Putain, je m'amuse. Non, je vais être beaucoup trop. J'ai récupéré une clé. Waouh. Attendez, je découvre un peu l'interface aussi. Faut que je mange un certain nombre de fruits pour accéder à... Ouais, ah, c'est marrant. Pour accéder à la suite, c'est ça? Un homme. Ah. Ah, d'accord. Et il aime pas manger les cailloux. Mais ça a l'air trop bien. Enfin, non, c'est trop bien. Ah, la clé, fin de niveau. Ah. Ah. Bon. A priori, manger les cailloux, ça va, c'est pas trop punitif. Mais non, mais ce jeu a l'air cool. Alors, je vais voir ce qui se passe si je meurs. Ah ouais. Ah, c'est violent. Ah, c'est la mort violente. Bon, je vais pas faire les 5 niveaux, mais non, ce jeu est marrant. Moi, je suis conquis. Voilà. Donc, Axie Snake, c'est oui. J'ai quand même essayé de finir cette partie, personnellement. Et là. Ah non, c'est pas punitif. Ça, c'est génial. Non, mais Axie Snake, c'est oui. Voilà, je vous le dis, c'est oui. Please was just... Non, c'est oui. Ensuite, Visual Paintball. Ok, donc le jeu ne s'est pas lancé. Donc, mauvais jeu. Voilà, c'est comme ça. Wakanoid. Ah, je crois que le jeu ne fonctionne pas. Je crois qu'il y a un truc qui est planté. Donc, Wakanoid, c'est mort. Xenon Mobile. Alors là, enfin, Xenon 2000, pardon. Ah, ça y est, j'ai trouvé le jeu. Ah. Oh, ça a l'air beau. Moi, j'y crois. Ouais. Ok. 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 Ouais. Alors, ce serait mentir de dire que je m'amuse. Du coup, bof. Là, pour le moment, c'est bof. Ah, mais ça vient de derrière aussi. Ah, mais au secours. Mon clone a été tué. Ah, j'ai deux couilles. Et il y a des cailloux. D'accord. D'accord. Alors... Je m'ennuie un peu, mais je reconnais que le jeu est pas mauvais. Oh, invisible. Pendant un certain temps. Ah d'accord, non, pendant une certaine durabilité. Shield up. Bon, c'est la vie. C'est pas mauvais, mais on s'ennuie un peu quand même. Enfin, on s'ennuie un peu. Non, on s'ennuie pas, c'est juste que... C'est bof quoi. C'est pas mauvais, c'est juste moyen. Dive. Wow, ça pue tellement fort. D'accord. Et ben c'était un jeu. C'était un jeu moyen. Je vais le mettre dans les bons jeux quand même parce que. À voir ce que vaut la version complète, mais. J'ai pas été déçu. Zetrix, je m'attends à un clone pourri. À la Zub. Wow. Alors, 3D sur 20. Déjà, je pense que là, déjà, on est sur une 3D sur 20. Particule aussi. Ok. Comment je. Oh!
D'accord, je... Ah, ok. Voilà, ça c'est pas mal. Ah, alors ça c'est pas mal. C'est amusant. Par contre, ouais. Si vous voyez, ouais, ça se décale d'une case. Alors on va essayer de faire des lignes. Ah, ouh, ligne. Pas mal. Là, je peux faire une ligne. Ouais. Là. Ouais. Alors celui-là. Ah, ça reste quand même un Tetris, donc ça va pas chercher loin. À la limite, ouais, c'est drôle 5 minutes, mais ça va pas chercher loin. Donc non, c'est. Je le mets pas dans les bons jeux, mais c'est juste parce qu'il y a trop la lettre 3D que ça change un petit peu. Alors, c'était quoi le jeu de délire maintenant? Alors, Bird Hunter. Ok. Qu'est-ce que c'est que c'est... Ouais. Oh, oui. Oh putain, un perroquet. D'accord. Bon. Oh. Ah. D'accord, c'est Duck Hunt en fait. Mais qu'est-ce que c'est que ces oiseaux? Mais qu'est-ce que c'est que ces oiseaux de merde? Oh putain. Oh. Pan. Pan. Oh putain, j'en ai 4. Oh, j'en ai 4. Oh, la belle bait. Ok, j'ai que 5 coups à chaque fois. C'est genre, c'est une blague. Ok. Je dois récupérer combien de piaf? Ok, ça joue. Ah, oh, ça joue bien, je suis devenu un... Ah, bientôt, je vais m'en convertir en chasseur. C'est Duck Hunt en fait, c'est ça. Je peux éliminer Duck Hunt sur un animateur les mecs. Hein, c'est pas ouf comme jeu, je suis pas convaincu, non, je suis pas convaincu. Bloc CAD, ça a l'air bien. D'accord. C'est des Lego. Alors, je prends ça. Je place mon Lego. D'accord. Et je le choix de faire plein de trucs. D'accord. Donc si je prends ce Lego, que je le mets... Je veux pas le mettre dessus. En fait, je voudrais le mettre en dessous. D'accord. Donc c'est du Lego. Il y a plein de couleurs. Je peux regarder. Je peux faire plein de trucs. C'est du Lego. C'est du Lego. Autant acheter des Lego en fait. Hein. Oh, des couleurs transparentes. Ouais, mais autant acheter des Lego. Alors, keep you cool. Dory. Là, ok. Ok. Je nettoie. J'ai la muse. Connard. C'est-à-dire que non. D'accord. Ok, je l'ai mis à la poubelle. Alors. J'ai un livre. Que peux-je faire? Il y a du café. Bah ok, si je mets le café. Tiens, prends un truc. Non. Non, je... Oh. Je voudrais use it. Ok. Oui. You're fired. Ok,
et ben ça me paraît parfait pour arrêter. C'était. D'accord. De. Très bien. Bon bah Power Mad, c'est mort. Ok. Ah, je sens le. Je le sens très 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 mal. Je le dis, je le sens vraiment mal ce qui va se passer. Oula. Je peux pimper la femme. Ok, bon bah. Ça me paraît pas mal. Eh ben. Build. Difficulté. Ok. Eh ben. Oh putain, il y a même une histoire. Eh ben, difficulté 0. Ok. Je suis Brenda. Que faisons-nous aujourd'hui? Nothing. Nothing. Are you trying to confuse me? No. You seem pretty certain. Yes. You seem really positive. I love someone who decides what and why I'm behind this matter. Oh, oula. Oh, attention. Because you are a simulator. Ramon, on va casser le quatrième mur. Oula. Why are you interested in whether or not I am simulator? Because you're not real. Would you prefer if we're not? Yes. Comprends rien. Ah, sûr. Yes. You told me that. Yes. You're not very good at this, aren't you? Ok, donc c'est un simulateur. Non, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais c'est pas ouf non plus. Ah, ma partie préférée, les jeux de rôle. Alors là, je serai intransigeant sur les jeux de rôle, je tiens à le dire. Ok, alors. Je m'avance peut-être. Je m'avance peut-être, hein, je ne dis pas. Mais je pense que j'ai affaire à un ancêtre de RPG Maker. J'ai peur de la suite. Alors, c'est parti. Ok. Alors, comment que ça se passe? Ok. D'accord. Ah ouais, mais... Ouais, mais non, mais... Enfin, c'est Game Maker. Ouais. C'est complètement Game Maker en fait. Et... Oh putain, oui, non, c'est complètement RPG Maker. Ouais, je confonds les deux, excusez-moi. Bon, bah, il y a un certain travail sur le mixage sonore hein, qui n'est pas. Qui n'a pas été mis de côté, hein, remarquons-le. Ah, World Map. Oui, village classique. Oh, ouais. C'est un peu Final Fantasy, mais. Ah oui, Final Fantasy ou ce que vous voulez, mais on est sur un RPG occidental. Alors, il n'y a pas de musique. Ah, musique de combat, oh mon dieu, des chauves-souris. Bah, fight, je n'ai pas de skill, je n'ai pas de skill. Alors, ok, ok. Alors, quand je disais tout à l'heure que ça me faisait beaucoup penser à RPG Maker. Je pensais pas en arriver à une conclusion pareille, mais c'est fait sous RPG Maker. Je ne sais pas quand a été fait RPG Maker, je dis peut-être une bêtise, mais là c'est assez flagrant. Et bah c'était un jeu ma foi fort sympathique, hein, je vais pas aller plus loin. Je suis pas très très fan des jeux RPG Maker, donc pour moi c'est pas un super jeu. Mais peut-être que... si des gens ont déjà joué à ce jeu et qu'ils en ont un souvenir, eh bien ils me donneront tort. Mais c'est pas mon cas, comment je quitte ce jeu. Oh, alors là, déjà je sens que ça peut être cool.
Alors, oula. Oula. Oh putain, il y a... That one to see us, I wonder... Well, yeah, ok, oui. Donc, je vais pas m'attarder énormément sur... Oui, je... Ah, on est... Ok. Je vais quand même aller... aller... Je vais essayer de voir comment le système de combat, quand même, mais... Ah, je suis pas convaincu. Oui, allô. Ok. Quoi? Quoi? Il se passe quoi? Caste spe... Putain, mais je veux pas choisir, alors que... Quoi? Bon, non, le... Jeu de merde! Et putain... Oh putain, d'accord. Mais en plus, très bien. Oh bah, jeu de merde, hein. Alors, ensuite, on a... Homeland. Ouh, alors là, qu'est-ce qu'on a déjà? On a un titre dégueulasse en 3D. On a un autre titre dégueulasse en 3D. Ah, attendez, j'ai un truc que j'ai pas vu, c'est quoi ça? Ok. On a une musique dégueulasse. 1.3, 1.0.W. Ok, alors. On va prendre donc un personnage. Ah bah, allez, 1.1, voilà. Et puis on va. Ok, il y a un chien, il y a un truc. Ok, chargement. Ouh, c'est moche. Oula, mais... oui. Oui, alors... Oh, qu'est-ce que c'est laid. Ouh. Alors là, un concurrent de Fallout, hein. Ah, mais c'est isométrique de merde, en plus. Oh là là, qu'est-ce que c'est moche. Oh là, c'est moche. Oh là là, non, je peux pas. Oh, je peux pas. Non, je peux pas, c'est beaucoup trop laid. Retour à Actarus. Ah, alors ça, par contre, j'espère que c'est bien. Ah! Très bien! Semblerait-il qu'il manque... l'installation. Et bah, on est baisé. Très bien, ça va aller un peu plus vite. La démo. Ah, la démo. Ok, déjà on part sur une bonne musique. Pour l'instant, ça va. Là par contre, je suis moins convaincu. Ok. Ok, on va dire que c'est dans le... On va dire que c'est l'histoire, on va rentrer dans le pif. Alors, quick load instruction, nanana. Ok, oui, l'histoire. Mais quelque chose n'était pas bon. Acte 1. Les choses qui tombent par-delà cette toile. Oula. Ok, je... Mais where I am. I have to find something really... Ok. Ok. Ok, donc je suis une boule. Je suis une boule. Je peux... Ok, la ville pour la smolt que je... des murs invisibles. Ok, pour le moment ça va. Ok, Faraway Town. Ok, bonjour monsieur. Welcome to Faraway. Ok, Faraway, pardon. Ok, Blacksmith. Ok. Alors, je sais pas si c'est bien ou nul, mais c'est intéressant. Oh, putain, alors là par contre. Non. I need some weapon, welcome to the world pass, you got 500 go. Oh, 1200 $, we can, we call it, ok, ok, j'ai une épée, et un bouclier, je, ok, je sais pas, bonjour, je ne peux plus parler aux gens, oh mon dieu, cinématique,
Oh putain, il y a une cinématique. Alors là, je suis convaincu. Oh, what? Oh là là. Ok. Ok. Miss. Ah, ok. Ah, c'est du tour par tour, mais... un peu à la Fire Emblem. Est-ce que je peux... oh! Ah, j'ai plusieurs actions. Spécial. Oh, je suis... oh! Alors là, je suis... épaté. Si je retente, tu... qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la garde. Ah oui, la garde, ok. Et là, une attaque normale. Ok. Ok. Bon, le jeu, par contre, a des petits problèmes de chargement. Ok. Oh, what? Alors, peut-être que ce jeu a des secrets. Et s'il a des secrets, alors là, je serais épaté. Oh putain, mais j'en ai deux! Oh, mais trop bien! Oh, mais c'est trop. Non. Garde. Ok. Et lui, qu'est-ce qu'il peut faire pour attaquer si j'avance de 1? Il a deux pommes et un sucre, ok. Alors je peux m'avancer et je peux tirer. Ok. Toi. Oh, d'accord. La bonne spéciale. Fuite, fuite et pomme. Tiens, on va utiliser un objet du coup. Est-ce que ça a marché? Sans doute. Je ne peux pas mettre de garde, du coup je finis le tour. Ah si, je peux mettre la garde. Garde. Alors lui avec son sa spéciale, parfait. Et ben écoutez, pour moi c'est suffisant. Je suis très agréablement surpris par ce jeu qui a l'air vieux, a l'air débile, mais j'aime beaucoup. Moi, je c'est des jeux comme ça que je veux, tout le temps. Il y a un mélange Fire Emblem, voilà. J'ai retrouvé le nom. Enfin, Fire Emblem avec un peu avec la rate DH, je sais plus que... j'ai pas d'exemple précis pour ce de nom de jeu qui me viennent en tête. Mais franchement, c'est un bon jeu et puis la musique. Donc pour moi, un jeu que je recommande. Voilà. Alors, on s'attaque à la réflexion. Oui, j'aime la réflexion. Alors, en fait, du jeu, détruire un maximum de blocs, résigner, ça. Ok, mode de jeu, aligner les blocs. Ouais, ça a l'air super ouf. Alors. On va prendre deux, on va dire. Ok. Ici. Puis ici. Un petit peu trop techno comme musique. Ah voilà, ici. 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 Ouais. Ah là, j'ai un truc, ouais. Ah d'accord, alors c'est vraiment chiant.
Ah, c'est pas super amusant quand même. Ah non, c'est un peu nul. Bon, alors là, Chick Droid. Waouh. Ok. Ok. Alors, when you moved, all the blocks in the world. Ok. Yes. Oh. Ok. Ah, ok, je ne peux. Ok. Ok. Je vois le. Je comprends le fonctionnement. Hein. Le fonctionnement est. Le fonctionnement est assez spécial. Mais c'est intéressant comme jeu de réflexion. Il y a pas mal de trucs à prendre en compte. Je ne vais pas parler de l'autre côté, ok. Après, un enfant va pas comprendre de suite ce qu'il faut faire. Hein. Non, c'est intéressant comme jeu. C'est pas mal. J'aime bien. Même si le concept, je trouve le concept étrange. Oh, dommage. Je pense quand même que c'est un bon jeu. Je reste quand même sur le fait que c'est pas mal. Il y a une part réflexion un peu compliquée, mais qui est intéressante. Alors, Electra. Ok. Alors, start. Action. Oui. Le jeu. Ok. D'accord. Ok, je vois. Oh oui. Oh d'accord. Oh. Ok. Ah, je peux move. Je peux presque tout move. Et c'est. Ok, c'est en. Ok, c'est. Non, c'est pas mal intéressant. C'est un petit Tetris. Petit Tetris cool. C'est plaisant, ouais, moi j'aime beaucoup. Après, je pense que il y a complètement moyen de casser le jeu en faisant des chaînes un petit peu comme Tetris. Allez, on va dire que ouais, je recommande, mais faut les trucs en plus quoi. Ok, allez, on va peut-être faire une partie alors. Ouais, je dirais que il y a du jeu. Ah, c'est là. Je dirais qu'il y a du jaune. Mais. Jaune, du bleu. Un haut marron ici. Ou un rouge et un vert là. Ok. Alors, j'en ai une qui est bonne. Et une qui est pas à la bonne place. Donc, on va dire que le jaune est là. Que c'est le bleu qui est ici, et on va tester marron et rouge. Ah, c'est une autre couleur. Ouais, non, c'est juste un masterman à la con, donc pas ouf. Wow, UFO Sokoban 3D. Wow. Bah, ah d'accord. Celui-là, map 1. Ouais. Ouais. Ah d'accord, oui, je dois faire ça, ok. Voilà. Ouais. Pas ouf. Non, pas ouf du tout. Même bof.
Bah non, non, c'est non. Vous pouvez trouver ça sur internet, des petits jeux flash comme ça. Ok. Shareware. Mm-hmm. Très bien. Ouais, d'accord. Ok. Hunter, your name. Bah tiens, voilà, c'est mon name. Play. Ouais. Ok. Oh, c'est moche. Bon, bah, c'est de la merde. Non, mais. Non, mais c'était marrant 5 minutes, mais non, c'est moche. Ok, j'ai plus trop confiance. Voire même pas trop. Quoi? Hein? Play. Ok. Je crois qu'il faut que je gagne. Je ne suis pas sûr. Ouais. Ouais. J'ai gagné? Je crois que j'ai gagné. Et ben, c'était nul. Le jeu ne s'installe pas. Semblerait-il que le jeu n'existe pas sur le CD. C'est problématique si le jeu n'existe pas sur le CD. Ok, ça doit être le 4e musique copyrighté. Très bien. Oui. Ok. Oui. Oui, le crash, le PN. Oh là. Oh putain, le. Alors s'il y a des gens qui s'aiment, qui ont le fun sur des simulations d'avion, je vous respecte. Je ne sais pas quoi faire, donc on va dire qu'on va faire un 360. Et ben je attribue à ce jeu une note de musique de supercopter sur 20. Et c'est encore un jeu qui ne se lance pas. Non mais c'est bien, ça cumule, hein, ça cumule, c'est des cumuls. Ah, et c'est un 2 à la suite. Semblerait-il que Orbiter ne se lance pas. Ah, c'est vraiment très fâcheux. D'accord, très bien. Donc, 3 à la suite. Non, c'est bien un 4 à la suite. C'est... Je ne sais pas, c'est... Triste. Je ne comprends pas. Oui, donc... Je peux rien faire en fait là. Il y a un carré. Non, c'est. Non. Okay, non mais. Gros jeu, hein. Alors, Virtual Sailor. Ok. Ouais. Ah. Ok, donc. L'encre, c'est A. Ça c'est le menu. Ça c'est les contrôles. Alors. Ouais. Quoi? Fire. Je. C'est... Non. Ah non. Ah je. Oula. Oula. What? Non, c'est moche. Non, c'est un nom. Maintenant, les jeux de stratégie avec Astral Tournament qui s'inspire de Magic the Gathering. Alors là,
S'il y a des fans de Magic de Gathering qui regardent. Alors, play game. Ah! Ah bah zut alors! Oh, on ne pourra pas voir ce magnifique jeu. Quel dommage. Mais consolez-nous avec Build City. Waouh! Waouh! Oh, Sim City n'a qu'à bien se tenir. D'accord. Ok. Ok, donc Ah mais non mais, attendez, non. Ah, au secours. Build. Résidence. Là. Alors une road, alors. Oh, c'est laid comme son. Voilà. Ah, c'est bien fait quand même. Non, puis même là. Ah, et même là, voilà. Voilà. On va mettre une farm. Une road. Ah, il y a des gens, on voit des gens. Et je suis baisé. Voilà. On entoure. Il y a des gens qui se barrent, ok. Donc road, qui va continuer. Voilà, on fait un petit virage là. Hop, double chemin. Donc c'est soit tu te rends à un autre magasin qui est là. Parce que j'ai plus de thunes. Ah, je suis à moins 56 d'argent. Ah, je perds de l'argent. Je perds de l'argent, toujours. Ok, et eh ben ce jeu est mauvais. Waouh. Ouais. Go. Tribu française, tiens. Ok. Ouais. Alors, Paris, un trade. Ouais. Ouais. Ok. Ah, j'ai un truc. Mettons le... L'âge de bronze. Ah, je peux me déplacer. Oh, alors attendez, vous avez découvert l'âge de bronze, ok, et ben la currency, ok. Alors j'ai un mec là, ok, 150, ça doit être mes points de déplacement. Production complète, ok. Là je découvre, ah, et là c'est une autre unité. Ok, c'est un peu chiant, il n'y a pas de musique, donc du coup ça m'intéresse pas. Donc quitte. Ah, d'accord. Et eh ben non, je changerai pas. Je ne merde. Allez, ça aussi, ça passe. Ouais, ok. Enfin, ouh, un jeu en français. C'est très rare. Oh putain, attends. Bataille QG, ouais. Point de force, on va dire. Oh, allez, on va dire comme ça. Limite de tour, bon, on va mettre 20. Limite de temps, avec un. Voilà. Attendez, ça a l'air cool là. Oh putain, ça a l'air cool. Oh, ça a l'air bien celui-là. On va prendre les spawns. Alors, je peux mettre. Ok, je vais pas me déplacer. Je vais mettre un spawn ici. Je ne peux pas. Ok, je vais mettre un kamikaze. Ah, in the blue area. Ouais. Where's the blue area? Ah, voilà. Un kamikaze là. Oh, attendez. Oh, je découvre des trucs. Oh putain, mais ça a l'air bien. Attendez, ça a l'air bien. Ah merde. Non, je voulais pas mettre de... Attends, je fous une reine. Voilà aussi. Ainsi qu'un angleur, ouais. Je pense que le but c'est de protéger. Là on va mettre
mettre un angluaire avec voltigeur, tiens. Là ici. Moi je. Ah, oh, avec dévoreur. Allez, on va rajouter une reine parce que j'ai ce qu'il faut. Et puis là. Là, attendez, je. Ah là. Je pense qu'on est bien. Allez. Ah merde. Attendez, j'ai. Attendez. Ah d'accord, c'est le 2 player là. Bon bah. Et là, c'est. Et là, c'est. Et là, je sais pas ce qui se passe. Instruction. Ah. Ok. Donc là, c'est. Ah, ok, c'est des déplacements. Regardez le résultat. Ouais. Ah, et là, il y a de la musique. Ok. Ok. Je sais pas, ça a l'air un peu compliqué, mais ça peut être marrant à deux, donc je pense que je le mettrai dans les jeux cool, dans les bons jeux à essayer par contre, mais pas à jouer, je sais pas. Bon, ben un jeu qui ne se lance pas. Dommage. Alors c'est dommage, parce que Mankind s'est installé, il a mis du temps, mais il ne va pas s'exécuter. C'est dommage. Oui. Oh, oui, d'accord. Ok, c'est. C'est de la bataille navale. Complètement de la bataille navale. C'est de la bataille navale. C'est mauvais. Putain, autant jouer à la bataille navale. Moche. Quoi? Où? Hein? Putain, je sais pas où aller. Tiens, pan. Là-bas. Ok, je comprends rien, trop de bruit, c'est chiant. Oh, bah mince alors. Oh, un jeu qui marche pas, zut. Ah, Ah non, j'ai perdu. Oh, puis c'est mal foutu. Oh. Ok. Oui, je glisse. Attention, je peux pas aller de l'autre côté. Nique ta mère. Oh, out. Putain, ouais, non, mais on s'ennuie, les mecs. Il y a une musique beaucoup trop forte. Oh. Ok. Pardon, je suis pas sûr d'avoir compris. Quoi? D'accord, ouais. Non mais je suis arrivé. Quoi?
Oh, oula. Ok, je arme. Ah, j'ai un truc là. Oh, ah, dommage. Dommage. Ah, je suis déçu. Ah non, 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 non. Oh, elle est pas mal, elle est pas mal, elle va dans le trou, non. Eh ben, c'était un jeu de billard. Oh, c'est beau. Oh, je suis. Oh, je suis. Alors. Ah, d'accord. Ok, je viens de. Oui, alors attends. Ah, quel dommage. Oh. Oh, ce petit. Oh, ce par. Ok, non. Oh, dommage. Merde. Putain, une table. Ah oh bah non, mais non, mais non, mais non, mais n'importe quoi. Oh. Ah bah oui. Ah bah oui. Et... Double bogey. Ah, double bogey. Le bogey. Bogey Wonderland. J'ai osé faire cette blague. T'as en deux coups, t'es sérieux? Oh là, alors attention. Ah, quel dommage. Ouais, en fait, c'est juste un jeu de golf, donc... Oh, meilleure performance avec 256 couleurs. Oh, attendez, mission. Captain. Ouais, bah, pas le choix. Ouais, les humains contre le PC, donc... oui. Start. Ok, ça a l'air moche. Non, je... Start, ok. Alors, left click, select unit, select destination, fire, groove, ok. Ça me semble pas compliqué. Ok. Ok. Par contre, il faut un petit bruit. Ouais, dégueulasse. Ah. Ah, c'est d'ennemis, ok. Ok. Ah, d'accord, c'est des points, mais je les vois pas. Ok. Ah, merde, on m'attaque. On m'attaque! On m'attaque 3. Il y a un saut qui m'attaque. Il est où? Mais qui m'attaque? Qui m'attaque? Qui m'a cassé le cul? Fire! Fire, putain! Ah, c'est un peu mou quand même, mais c'est pas. Non, c'est pas ouf! Ah, bah oui, game over! Alors, millionnaire 2, voyons voir. Ok. New game. Nom du player, starting capital, oui. Non, on va mettre un seul joueur. Voilà. First to be a billionaire. Ah, d'accord. Bon, bah, Richter time. C'est un Monopoly en fait, c'est ça. Ouais. Comment j'achète en fait Oula. Ah, oui, d'accord. Donc, on est là-dessus. Ça a l'air d'être un Monopoly, donc c'est pas ouf. Scénario, je m'en bats avec. Ok, donc je vais commencer ici. Non, non, je vais attaquer là. Non, je. Ah, et là, je.
Il te reste 6 armées à planter. Bah là. Et là. Choisissez un attaquant. Là. Attaquez avec. Choisissez une cible. Là. Ok, cliquez pour passer des années. Là. Là. Voilà. Oh, c'est long et puis il n'y a pas de musique. Non, ça, moi, ça m'ennuie. Ouf. Oh, ça a l'air bien là. Oh, ça a l'air dans. Oh, ça me plaît un peu là. Ça commence bien là, je. Ok. Je fais quoi? Ok. J'ai des planètes. Alors, j'ai des planètes. Qu'est-ce qui se passe? Je peux déplacer des planètes. Non. Ah si, il se passe un truc. Attendez. Je vais mettre une route. Ouais. Je vais mettre une autre route. Ouais. Je comprends pas trop. Non mais je comprends pas trop, mais... Non mais ça commençait bien, c'est... Mais non. Ah, Starship Unlimited, alors. Ok. Je... Je... Oui. Ah. New game. Je cherche pas. Non, c'est... Je fais quoi? Oula. Waouh. Soleil. Gros soleil. Sol. Waouh. Ok, bon bah le jeu m'ennuie. Du coup, je pense qu'on a fait tous les jeux que proposait ce CD magnifique, mais il reste ceci, et on va y aller tout de suite pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Attention, ce produit est interdit aux mineurs. Alors, c'est trouvé avec du CD réservé à public majeur et conforme consulté sur CD-ROM à titre personnel. Ok. Oui. D'accord. Alors, je vais. Alors là, il y aura des trucs floutés, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, je. Imaginons, striptease gratuit. Gratuit. Tape le code suivant, le 8972054. Alors, 8972. On est d'accord que c'est le code qu'on m'a donné, hein. Waouh. Attendez. Profitons en grand écran. Waouh! 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 Mais quelle image incroyable! Oh, mais que d'images incroyables! Waouh! Waouh! Des images sexy. Oups. Voilà. Oh, elle tire la gueule. Waouh! Waouh! Je suis absolument. Oh mon dieu, il se passe des choses. Ah, bah foutez. Waouh! Oula, alors attendez. Ah, elle a la peau sur les os, c'est dégueulasse. Oh là 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 là, attention, nous sommes à la 20e photo, ah mon dieu, elle joue avec nous. Attention, ah mon dieu, c'est trop bien. Oh là là, qu'est-ce que c'est moche, putain. Ah mon dieu, elle va enlever le bas, elle va enlever le bas, elle va enlever le bas. Elle a enlevé le bas, bon maintenant c'est flouté. Alors autant vous dire que c'est pas ouf, hein. C'est... non, c'est... Waouh, 50 photos. Waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah mon dieu, on passait quelqu'un d'autre. Attendez, on passait quelqu'un d'autre. Oh mon dieu, elle est habillée. Elle enlève sa robe. Elle remet sa robe. Elle le remet.
Ah mon dieu, waouh, mais incroyable. Ah, je suis absolument sur le fion là. Voilà, oui. Ah, c'est la magie, ça. Ça c'est vraiment magnifique, la magie du montage. Oh. Ah non, d'accord. Ah, c'est vraiment de la merde, hein. C'est vraiment de la merde. Alors, image. Oh, attention. Là, on passe sur un truc incroyable. Ça, c'est le truc payant. Exact. Exactement. Pour obtenir vos codes par téléphone, hein, et on vous dit bien que photo amateur, photo anal, Asi, Black, regardez-moi ça, que des photos, putain. Si je fais voir les images, et bah va te faire foutre. Incroyable CD de merde. Voilà, c'était le CD. C'était incroyable, hein. On a pris plein de choses, et notamment que bah. Voilà, c'était le CD. Je pense que je vais faire une conclusion face à vous pour vous donner un petit peu mon impression. Et aussi quand j'aurai fini de monter toutes les parties de vidéo. Je pense que je vais faire ça. Je viens de terminer de tout monter, de tout regarder et de noter quelques trucs pour vous donner mon avis sur ce magazine, du coup, qui sera la conclusion de cette vidéo. Donc, le CD avec le magazine, 4€ à peu près. Pour 4€, on a donc les 68 jeux avec la démo de FIFA. En prenant en compte tout le CD, donc les 69 jeux, j'en ai eu à peu près 5 qui ont fonctionné et que je trouve plutôt bons, que je vous recommande. Une vingtaine qui ne fonctionnent pas, soit parce que l'ordi est trop récent, soit parce que le setup d'installation n'existe pas, ce qui arrive. Personnellement, j'ai trouvé une quarantaine de jeux très mauvais, parce que pas intéressant, parce que répétitif, parce que pas de musique, parce que plein de raisons. Et l'espace charme, eh bien, vous l'avez vu, pixelisé à mort parce que je ne veux pas avoir de problème. Le magazine, outre le fait qu'il y ait ceci pour nous faire croire que ouais, c'est fou, il y a trop de trucs, trop de pages, etc. Je sais même pas pourquoi il y a ça, si ce n'est donner l'illusion que le magazine est important, c'est-à-dire que tu rajoutes une épaisseur là, est incroyable. La qualité du papier. Et pas ouf, hein, on va pas se mentir. Il y a 15 pages, et dans ces 15 pages, t'as 2 pages de pub, 2 pages sur la démo de FIFA incroyable, comment que le jeu est trop bien, et une présentation de jeu noté. Je ne sais pas comment c'est noté. J'ai vu aucun jeu, et je vais même vérifier maintenant, il n'y a aucun putain de jeu qui a une note en dessous de 15. C'est pour vous dire. Alors, il y a même pas de note. C'est juste, voilà, le jeu, il est comme ça. Il y a 20 jeux où il y a une note. Le reste, on s'en bat les couilles, frère. Le reste, on n'a pas été payé. Ça se trouve, c'est bon ou c'est pas bon, mais on s'en fout. Après, il faut relativiser sur le jeu. C'est que il y a 15 ans, il y avait quand même les plus gros jeux, les meilleurs jeux. Je ne sais pas ce qui était sorti à l'époque, parce que je ne m'en souviens pas, et parce que je n'avais pas un gros PC. Ce genre de magazine, ça pouvait quand même nous laisser l'illusion. Il y avait quand même des bons jeux, on n'avait que la démo. Par contre, 20 balles pour un jeu, ça fait cher. Et pour le peu que j'en ai essayé, j'ai d'ailleurs testé un des jeux qui maintenant est gratuit, lol. Ça va, il est bien, mais à partir du moment c'est plus trop amusant. En conclusion, je dirais quand même que ça fait partie de l'histoire, ça fait partie des choses que certains ont grandi, alors pas forcément avec ce type de magazine là, mais avec d'autres magazines. Et puis franchement, l'espace charme, ah, ça a bien changé en 15 ans. Ah, ça, oui, que ça a changé. Ah, du coup, c'était intéressant de voir ce que cachaient ces pages de l'histoire. Et j'espère que ça vous aura plu ou pas, parce qu'il y en a à qui ça ennuie. Du coup, cela conclut cette vidéo review PC Magazine numéro 18, très important, complet. Genre une review complète, et je pense que ça devrait être comme ça pour des reviews de magazines avec CD, où on devrait tout voir, même si c'est chiant. De voir si ça vaut le coup d'acheter ce genre de magazine.
Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, à mettre en commentaire si vous, quand vous avez acheté ces magazines, si vous en avez les souvenirs, ce que vous en pensez encore aujourd'hui, parce que certains magazines, j'en vois pas beaucoup, mais il y en a encore qui utilisent ce mode de fonctionnement avec le magazine nul et le CD avec plein de trucs dedans. Et si vous avez des suggestions, pourquoi pas des magazines qui peuvent valoir le coup, eh bien les commentaires sont là. La pouce bleue, l'abonnement pour ne pas rater les autres vidéos qui sortent. Dans la description, il y a un Twitter, il y a un Discord. Merci à tous, bon magazine et à la prochaine pour d'autres vidéos.